Photo montrant l'Apple Watch, l'iPhone sur une station d'accueil, gris alu. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va voir ensemble la mise à jour de watchOS 3. On va voir où aller, 10h56. dans quels paramètres pour pouvoir effectuer notre mise à jour. Notre iPhone et notre Apple Watch est sur une station d'accueil que j'avais présentée précédemment dans une vidéo pour faire la mise à jour de watchOS 3. On va tout d'abord aller dans l'application Watch de la montre. 10h57. Watch. Action disponible. Une fois qu'on est sur l'application, on va taper deux fois. Watch. La montre. En tête. Ici, on va avoir différents renseignements par rapport à notre Apple Watch. Dans l'application watchOS, il va falloir aller dans Général et on va faire tout de suite ensemble. Disposition des apps. Bouton. Sélectionné. Général. On va lui demander de vérifier les mises à jour. Information. Bouton. Mise à jour logicielle. Bouton. Sélectionné. Mise à jour logicielle. Comme on peut voir ici. Mise à jour logicielle. En tête. WatchOS 3. 45,6 mots. Cette mise à jour comprend la possibilité de jumeler plusieurs montres à un seul iPhone, des améliorations de la plaine et la prise en charge de nouvelles langues. Cette version comprend également des améliorations supplémentaires résout des problèmes. Début de la liste. Plus. Les apps sont lancées actuellement. Notre mise à jour prête pour l'Apple Watch, on va lui demander qu'il nous la fasse. On va tout simplement. Fin de la liste. Maison est une nouvelle, vous en savoir plus. Bouton. Télécharger et installer. Bouton. Télécharger et installer. Code. 0 valeur saisie sur 6. Donc ici, il nous demande notre code, ce qu'on va faire tout de suite. Condition générale, en tête. Refuser. Accepter. Bouton. Mise à jour logiciel. Téléchargement vers l'Apple Watch. Téléchargement vers l'Apple Watch. Estompé. Pour installer la mise à jour, votre Apple Watch doit être plus à portée de votre iPhone connecté à un réseau Wi-Fi, plus connecté à son chargeur, plus chargé à 50% moins. WatchOS 3, il reste environ 2 minutes. Vous montrez gros. Il reste environ 40 secondes. Il reste environ 2 secondes. Préparation, plus. Les utilisateurs en fauteuil roulant désormais leur propre expérience personnalisée dans activités et exercices. On est maintenant dans la phase de vérification. Vérification. Énergie de WatchOS. En tête. Installation. Donc c'est parti pour l'installation. L'Apple Watch va redémarrer sur la pomme. On a un petit message qui nous indique ici. On ne sait plus. Bouton installation. Estompé. Ne redémarrez pas l'Apple Watch et ne la retirez pas de son chargeur. Ici, vous voyez, la pomme est entourée d'un cercle avec des petits traits qui, au fur et à mesure, avancent. Alors comme on peut voir ici, le cercle a bien avancé, a pratiquement terminé sa course. Le cercle est terminé, le redémarrage de notre Apple Watch avec la version WatchOS 3. Un second cercle apparaît qui cette fois, celui-ci va très vite, finalise en fait l'installation de WatchOS 3. Donc je vous mets en très gros la rapidité, là ça va très vite. Alors comme vous pouvez voir ici, on a un message. Mise à jour terminée. Votre Apple Watch est désormais à jour. Votre Apple Watch est désormais à jour. Fermé. Bouton. Fermé. Watch. La montre redémarre sur la pomme. 11h37. Voilà, donc notre Apple Watch a redémarré. Vous avez suivi en temps réel la mise à jour de WatchOS 3. On va revenir. Général. Information. Bouton. Information. Sélectionné. Version 3.0. 14 secondes 326. Sur la version 3.0 de l'Apple Watch. 11h38. J'espère que cette vidéo sur la mise à jour de l'Apple Watch WatchOS 3 vous aura plu. Qu'elle vous aura aidé à faire aussi vous-même votre mise à jour. N'hésitez pas à me mettre des pouces bleus si la mise à jour vous a plu. Horloge. À vous abonner à la chaîne. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!